Yo les gens, c'est Zach, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est parti pour la suite de la carrière avec Lorient sur football manager 2024. On va terminer la première moitié de saison. Je crois que d'ailleurs il nous reste que, que trois petits matchs. Hein. Je crois que c'est les... ou quatre. S'il y en a quatre, on fera une vidéo un petit peu plus longue. Euh, bah non, il nous en reste trois. Il nous reste bien les trois derniers matchs, là, des, qui sont juste euh, des, des, des matchs de folie. Hein. C'est le Real Madrid, c'est Paris, c'est Monaco. Allez hop. Allez hop, c'est rien que ça, les gars. Euh, deux à domicile, le Real Madrid et Paris. Et un à l'extérieur. T'es euh... qui toi, Luke Glim oh, Luke Glim, tiens. Luke Glim, les gars. Eh bien, dis donc. Euh... Luke Glim aurait besoin d'apprendre la langue, mais ce n'est pas un problème. Euh... Euh, il est pas mal ce gardien, 1m92. Écoutez, là, dis donc. Le problème, c'est que si je le recrute, tu vois un peu, ça coûterait combien Ça coûterait très cher. Hein pour être remplaçant, tu vois. Pour avoir un très bon gardien remplaçant, Lou Glim. Je lui donnerai du temps de jeu en coupe et tout. Mais euh, il est vraiment pas mal, du coup. Il est grand. Il a que 19 ans. C'est peut-être la relève de Compiani. Hein, parce que Compiani, moi bon, j'allais dire, il est vieux, Compiani, pas du tout. Ok, Lou Glim. Euh, D'ailleurs, oui, attends. Je vais faire un petit truc, moi. Je vais l'ajouter à la sélection, lui. Euh, mais je pense que c'est un peu trop tôt. J'aimerais trouver, euh, peut-être dans 2-3 ans, un. Un, un petit gardien, tu vois. Si je vais là et que euh, je cherche des gardiens. Et que je cherche des gardiens. Des très... Ouais, des, tiens, des très jeunes gardiens qui seraient intéressés par venir chez nous. Même si ce n'est qu'en qu sceptique. Un petit gardien. là, T'as pas un gardien un peu... Gardien de l'OL là qui vaut... Bon après, qu'il soit déjà plutôt bon, quoi. En vrai, je vais faire une petite recherche. Une petite recherche. Euh... Moi, ce que je veux pour un gardien, déjà, je voudrais... On regardera la taille. Mais ce que je veux pour un gardien, euh... ça va être la détente verticale, la détente du réflexe. Je pense que c'est les stats... Euh... Il n'y en a pas. Après, je suis entre 15 et 16 ans. On va jusqu'à 18. Il n'y a aucun gardien là de 18 ans qui a ces stats-là 14. Il y en a un. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment très fort. Euh, il a 17 ans d'étente. Il fait 1m86. En vrai, il a des stats correctes. Hein. Je vais l'observer, mais je ne crois pas qu'il va avoir un gros potentiel. Serge, Ma Serge Matip. Serge Matip. en vrai, pourquoi pas. En vrai, je... pourquoi il n'aurait pas un gros potentiel, on n'en sait rien. Il joue dans un... Il joue au Cameroun, ça se trouve, il est incroyable. Après, il est un peu petit. J'avoue que j'aimerais... Euh... J'aimerais un gardien un peu plus un peu plus grand. La 13 il devrait y en avoir quand même un peu plus. Ouais, là, il, y a, il y en a 14 là. Euh, on a qui On a lui. C'est moins impressionnant. Mais en vrai, ça se bat les gars. C'est quand même déjà 17 de détente, 19 de dégagement au point. Il y a des réflexes. Pas si mauvais. Hein pas si mauvais. alors oh, le mec de City là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 il est pas trop mal. Mmh, mmh, mmh. Voilà, bon, je suis en train de chercher pour rien, c'est pas... clairement pas la priorité. Hein. Mais euh, je me dis que... Euh, pourquoi pas, pourquoi pas penser, penser un petit peu à l'avenir. Euh... Mais du coup, ouais, le gardien, le petit gardien là, de... de la l'ajax bon, ça me prêchait de mettre 50 millions pour un gars qui ne va pas être titulaire. Mais bon. Euh... À, voir. à voir. À voir, en tout cas, après. Attends, mais je, Attends, mais je viens de capter, j'ai 15 jours de repos. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde Je n'avais même pas capté, les gars. Comment ça, on a 15 jours de repos là <laughs> Comment ça j'ai 15 jour de repos je joue au Real Madrid et après j'ai un jour de repos, je joue le Paris Saint-Germain C'est quoi cette arnaque là Parce que là, le Paris Saint-Germain, ils vont jouer euh... ah, j'espère qu'ils ont aussi qu'un jour de repos alors. Hein. J'espère qu'ils doivent gérer la même merde que nous. Hein. Il veut un meilleur contrat. Ah oh, c'est bon, ça suffit là maintenant. Euh... Ouais, bah vas-y. Mais en plus, -signé il n'est pas re-signé il n'y a pas longtemps, lieu César, déjà là. Il va me demander full tune ce chien. Ah c'était sûr. Ah c'était sûr, il demande full tune. Hein. Je conteste. torture chauss a été un petit On va attendre un petit peu. Hein. On va attendre un petit peu. Euh... Au lieu de César, t'es pas titulaire et tout, de payer 500k, c'est non. C'est non, les gars, c'est trop cher, c'est trop cher. C'est trop cher, c'est trop cher. En tout cas, match contre Contre eux, contre eux, contre eux, contre eux. Ouais. Contre eux. Entre le Real Madrid, le problème c'est qu'on va être dans la merde derrière. Comment je vais faire moi pour... Euh... Euh... Bon tiens, là il est tombé, ça. Ja là va jouer. Ça c'est sûr. Martinez, Nicolas Jacob. Le problème, c'est que... Après, vaut mieux. Euh... Ouais, vaut mieux, vaut mieux être un peu moins bon en Ligue des Champions, j'ai envie de te dire. Hein. Je vais quand même reposer. Là. Je vais quand même assez... Je vais quand même faire tourner un petit peu là. Nicolas Jacob, je vais mettre Horace. Je vais quand même laisser Martinez, Ferella. Chiachi, je vais mettre Maximovic. Même très bon. Hein. Bada, oui, je vais mettre Jérémy Jouve. Euh, Mastri, je, je vais mettre Sabato. Al Salem, je vais mettre Julio César. Je vais laisser Parlikoff. et Rosa. Alors, je, je fais tourner contre le Real Madrid, oui, oui, on en est là, les gars. Mais je me dis que c'est quand même mieux d'avoir mon équipe contre le Paris Saint-Germain, les gars. C'est quand même mieux. Hein. Après, cette équipe, elle est capable de faire quelque chose. Hein. Tout le monde nous voit perdre, alors donnez-vous à fond. Ah ouais Même à la maison, on nous voit perdre contre, contre le Real Après, oui, c'est le Real. Hein. C'est le Real, il euh, y, a, y a du beau monde. Il a quel âge maintenant Bellingham, lui, là. Bellingham, il a 31 ans. Ok. Ok, 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 ok. Ah, ils ont toujours lui, le petit euh, Milutinovic. Allez, j'étais dessus un moment. Attends, il est, il est pas mal. Il est pas mal. Le Real Madrid, on les a pas beaucoup affrontés, le Real Madrid. On a beaucoup affronté City. Mais le Real, on ne les a pas trop trop souvent affrontés. Je sais pas trop ce que ça vaut, mais j'imagine que, que c'est très fort. Bien joué Compiani. J'applaudis déjà la première parade de Compiani énorme. Allez, dans ces moments-là, il nous faut un gardien, euh, il nous faut un gardien euh, exceptionnel. Hein. Voilà derrière qui va même rassurer tout le monde en prenant ce ballon. Et pour l'instant, on ne montre rien. Pas fou, on dit qu'il va tirer le coup franc, c'est pas dedans. Pour l'instant, on montre rien, les gars. On est en train de subir, on est en train de subir la loi du de l'ogre madrilène. Ça ne me plaît pas trop. Allez, je vais en demander un petit peu plus parce qu'on n'a pas tiré au but. Ça y est, on a enfin tiré au but. Mais on ne voit pas le, la couleur du ballon. Hein. On ne voit pas la couleur du ballon. Euh, le Real qui a toutes les occasions. Bon, après, j'ai fait tourner aussi, il est vrai, mais, mais quand même. Mais quand même. Ah, par-dessus pour Bellingham, Belly Goal. Oh Compiani, Compiani. Let's go! Compiani pour l'instant à la hauteur du rendez-vous. Peut-être le seul joueur de l'Orient à la hauteur du rendez-vous pour l'instant, Compiani. J'espère qu'il va pouvoir tenir encore longtemps. Jérémy j'érémie, de balancer ce ballon comme un skeg. Ouais, c'est vrai que là, on ne montre pas grand chose. Hein. Mais bon, c'était un peu voulu. C'était un peu voulu là. On a, fait on a fait bien tourner. Et pourquoi pas être très réaliste avec le petit Di Sabato. Di Sabato, il y va. Oh, j'ai cru. Oh j'y ai cru, les gars. Il y a un monde où j'ai cru, mettez cette frappe en pleine lucarne et c'était encore le héros. J'allais péter mon crâne. Euh, J'aurais pété mon crâne même. Hein. J'aurais pété mon crâne. Il avait mis ce but-là parce que rappelez-vous contre city contre Chelsea, il avait déjà été très fort. Euh, Peut-il peut réitérer ré 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 l'exploit Allez les gars Allez mes petits gars, vous pouvez le faire Vous pouvez le faire parce que pour l'instant, bon, Parlikov il est complètement à côté de son match. Pas mal de monde qui font de la merde. Eduardo Camavinga avec Arjvili dans les cages. Ils ont euh, Ils ont le timber ils ont le petit Timber. Timber. Ah il y a lui aussi, c'est vrai qu'on était dessus, je vais même pas essayer de prononcer son blaze quand je vois le blaze. J'ai même pas envie d'essayer. Le petit Moscardo aussi qui est pas mal. Et 1 zéro pour le Real Madrid. Hein. Andrei Vok Vokminsev. En bon, c'est peut-être pas si dur que ça à dire, Vokmin Vokminsev. Euh, un zéro pour le Real. Ouais bon le Real ils sont meilleurs. Hein. Le Real est meilleur, il n'y a, y a rien à dire. Euh, je pense que c'est logique qu'ils sont en train de gagner ce match. Ferella qui récupère ce ballon. Qu'est-ce que tu me fais mon petit Ferella Martinez, Horace, Maximovic, Di Sabato. Oh, le bon ballon pour, pour Rossa. Rossa. Brossa. Rosa qui va marquer contre le Real. Oh, C'est beau, ça. C'est beau. Et l'ouverture de qui? Et de qui cette ouverture, les gars? De Matteo Di Sabato, du haut de ses 16 ans, qui envoie une passe exceptionnelle à Rossa, qui va finir de son pied gauche un hein, partout. Super. Peut-être pas pour très longtemps, le un partout d'ailleurs. Peut-être pas pour très longtemps. Ok, on serre les fesses, arrête. Faut... Oui, combien Bien joué. Euh, ouais, Je vais rentrer entrer Moutinho. On va faire entrer le petit Moutinho et je vais reposer Rosa aussi. Je vais entrer Nelson. Euh, et après, j'ai fait que des changements. Donc, euh, ah, peut-être Martinez. Je vais, le... je vais faire entrer Zach Brown. Voilà, comme ça. Comme ça, comme ça les gars, on peut euh, éventuellement... Euh, on peut éventuellement être bien. On peut éventuellement avoir une équipe euh, plutôt intéressante contre le Paris Saint-Germain vu qu'on a un seul petit jour de repos. C'est vrai que c'est pas énorme, hein, un petit jour de repos c'est... Ah c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Allez dis ça, bateau. Vas-y mon petit dis ça, bateau. Oh non mais il est hors jeu lui. Non, pourquoi il est venu lui prendre le ballon non, t'es hors jeu, Rulio César, laisse-le à Nelson ce ballon, laisse-le à Nelson. Pourquoi t'as été prendre ce ballon C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Petite erreur là de Rulio César qui aurait pas dû toucher ce ballon. Il aurait dû savoir qu'il était en position d'hors jeu. Allez les gars. 80e minute de jeu, je vais pas faire d'autres changements. On va tous finir le match. Au final, on fait un match, euh, une fin de match correcte, c'est pas mal. Est-ce qu'on a les ressources pour aller chercher la win? Est-ce qu'on a les ressources pour aller chercher la win? sabato qui est trouvé. Disabato avec Fabri. Matteo Fabri pour Maximovic. La frappe La parade de Mamadar dis dommage. Dommage, dommage, dommage. C'est bien, les gars. On aura un corner ici tiré par Moutinho. Est-ce qu'on peut mettre une tête sur Corner 87e minute de jeu Est-ce qu'on a les moyens d'aller chercher une victoire, les amis Non, corner encore. On a vu ça du coup c'est bizarre de voir ça deuxième corner d'affilée peut-être maintenant c'est peut-être maintenant en fait on sait pas boutino il prend tout son temps pourtant j'ai pas demandé à gagner du temps ok non ça permet même en contre en fait ok non ça revient boutino il est hors jeu non ouais bah ouais bon bah je sais pas pourquoi on a vu ça il y avait il n'y avait pas grand chose à voir en fait bon écoutez en vrai si on fait match nul c'est pas si mal hein, contre le real madrid c'est ce qu'on va faire d'ailleurs un hein, partout honnêtement euh... Honnêtement, correct, 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 correct. Personne nous voyait gagner. On fait, on fait, un match nul intéressant contre le Real. Très bien. Avec une équipe en plus bien bis. Hein. Une équipe bien bis, il faut le dire. Il faut le dire, il faut le dire. Euh, derrière, on enchaîne avec le Paris Saint-Germain directement. Allez, on n'a même pas le temps de, on a même pas le temps de tergiverser, même pas le temps de se reposer deux secondes. Le Paris Saint- Ah, on aura apparemment un avant-centre en A. Apparemment, on aura un buteur. Bon, on n'a pas trop forcément besoin de buteur. Mais faudra voir. Si jamais c'est un big crack, enfin, ça m'embêterait. On va imaginer là on sort un big crack en buteur. Ça m'embêterait pour Rosa. Qui mérite de rester. Mais bon, on imagine un petit gars de 16 ans qui a les stats de Rosa là qui débarque, formé chez nous. Je vais avoir envie de le privilégier, c'est sûr. Mais bon, non, il y a très peu de chance. Il y a très peu de chance. Euh... Ouais, ils veulent qu'on Tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. C'est le meilleur gardien du monde. Il est beaucoup trop fort, ce gars-là. Rora, euh, Rora, c'est bien. Donner suite à Rolio César. Le problème, c'est que ça me fait chier de le payer autant, quoi. Je vais lui donner 500k là. Alors oui, on a de l'argent, mais. Bon, pour pas créer de problème, hein. Pour pas créer de problème, on va faire ça. Hum, allez, je vais... On va faire ça pour juste pas créer de problème, en fait. Pour pas créer de problème. Euh... Je veux 497, je 455. C'est énorme, mais vas-y, c'est pas grave. On a les moyens de le faire. Faisons-le. Yensen ne s'entraîne pas très bien. C'est pas grave. Et euh, Dissabato. Dissabato qui, qui continue de progresser. Et du coup, là, match très, très, très important contre le Paris Saint-Germain. Alors Rossa euh, va rester titulaire euh, par Putain, il va pas pouvoir enchaîner. J'aurais dû. J'ai bien fait de euh, faire tourner, les gars. J'ai bien fait parce que tout le monde est cramé. Hein. On Badawi, Maximovic, on remet Chihachi, Ferrela ne joue pas, c'est euh, Jorskir. On va remettre Laït sur le banc. Sabato ne va pas rentrer aujourd'hui dans tous les cas. Euh, Martinez va pouvoir jouer, donc ça c'est cool. Nicolas Jacob, euh, Paco Iniesta, et du coup, bah, Laït. Pas enfin, le choix, c'est Laït qui va jouer ici aujourd'hui. Ok, bah, c'est parti les gars, gros gros match contre le Paris Saint-Germain. Ce match il va être chaud, ce match il va être beau, je l'espère. Et euh, bah on veut au pire faire un nul. Voilà, hein. au pire faire un nul pour garder euh, notre petit point d'avance. Au mieux, au mieux gagner, hein. bah, évidemment, on a envie de gagner. On les a battus de zéro hein, pendant, pendant le trophée des champions. On les avait battus. Parce on sera capable de réitérer l'exploit. On va voir avec Rossa qui avait marqué, je me rappelle. Je me rappelle de Rossa qui avait marqué euh, directement pour son premier match. Euh, au tout début de match en plus. Sur une grossière erreur, certes, mais il avait marqué quand même. Pour l'instant, on a l'air d'être sur un match de merde. Hein. Euh, allez, on va voir des choses. Martinez ici. Avec Laït. Qui a déjà pris un carton jaune, Laït. On hein. va falloir faire attention. Jacob. Pour Iniesta. Iniesta. Asri. Avec Badawi. Badawi pour Al-Salem. Oh, J'ai cru qu'il marquait ça en pleine lucarne. J'ai cru qu'il mettait ça en pleine lucarne. On allait faire une statue de Rosa, hein, clairement. On allait lui faire une statue directement, sans se poser de questions. Ok, bon pour l'instant, je crois qu'on va assister à un match quand même. Euh... Un match pas terrible, j'ai l'impression. Un match pas terrible, puisqu'on va déjà approcher de l'habitant. Ouais, ouais. Kyle Mbappé qui a fait trois passes-clés. Ça n'a rien donné. Et pourtant, il n'a quand même que 6-3-6-4 de notes. C'est l'habitant, il se passe rien, les gars. Euh... Quand même. Quand même, quand même, on veut voir un peu plus. Allez, allez. Vous pouvez le faire, les gars. Hein. On sent que Paris, là, ils n'ont pas l'air d'être exceptionnels. Faut faut en profiter. faut en profiter totalement et, et absolument. Allez, Badawi. Badawi avec Al-Salem. Oh non. Awad, 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 awad. Aïe, 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 il donne le compte pour le Paris Saint-Germain. J'ai le Oh campiani, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu es un gardien exceptionnel. Attention quand même au corner, c'est pas terminé. Surtout qu'on a laissé O'Brien tout seul. On joue avec le feu, les gars, là. Il est encore tout seul, hein. il, va lui, il va lui redonner. Hein. Il va lui redonner, les gars. Hein. Non, il lui redonne pas. Ok. Ok, ok, on va pouvoir souffler un petit peu, mais c'est chaud. Hein. C'est chaud, c'est chaud. Takylian, il a fait deux, deux, deux occasions créées, cette 7 passe-clés. Ça ne donne rien. Ouais. J'ai peur que là, le Paris Saint-Germain, ils sont en train de pousser. Oh le ballon qui traite. Qui... Oh, mon dieu, qu'est-ce que... Je, je, je vais me chier dessus. Allez les gars On peut le faire. Ah, c'est Paris qui est en train d'avoir l'ascendant là. C'est Paris qui a l'ascendant. Attention à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Ouais, ça allait finir par rentrer, on le savait On le savait que ça allait finir par rentrer. Le Paris Saint-Germain qui mène un 0 et qui prend la tête de la Ligue 1. Aïe 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 aïe. Ah, il faut réagir. Il faut réagir, les gars. Il faut réagir, il faut réagir. On va faire des changements. Mais pourquoi on est autant cramés Vous savez pas jouer, les gars. Ah, bah ben, Maximovic, euh, Rulio César, euh, Laïc, tu vas jouer. Euh, Masri on fait rentrer. Pas euh, Nelson sur le côté. Putain, je suis dégoûté, les gars. On va aller perdre encore une fois euh, contre ces Parisiens de Merguez. Qui nous embêtent, ces Parisiens, ils nous embêtent, hein. Ouais, très offensif. Ouais, bah, ils vont prendre la tête de la Ligue 1. Hein. À moins que. À moins que ici, maintenant. Ah. À moins qu'il y ait un contre. À moins qu'il y ait un contre, tout simplement, pour le Paris Saint-Germain. Et qu'on ait cru à une occasion. À moins que ça repart de l'autre sens. À moins que. À moins que Nelson. Je sais pas ce qui se passe. Allez Nelson. T'es frais, vas-y, Nelson. Il y va tout seul. Oui, Nelson. Oh oui, mon petit. Oh là là, let's go, let's go! Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, Nelson qui a été faire le taf tout seul comme un grand! Oh, vamos, les gars! Oh, Nelson! Oh, oui, mon Nelson! Oh, il y va tout seul et il finit ça! Oh, quel but! Quel but, quel but, quel but! Euh, Est-ce que c'est mérité? J'en sais rien. Mais l'important est que finalement, on va faire un match nul et on reste, euh, on reste premier de Ligue 1, du coup. Let's go! Let's go, let's go, les gars, super! Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mais c'est pas terminé parce que là, on a un autre match qui va arriver euh, juste derrière. On a un autre match qui va pas enfin, juste derrière. Pas vraiment juste derrière. On a un peu de temps quand même pour se reposer. Euh... Mais euh... on a une semaine d'ailleurs. Mais du coup, euh, il va être difficile ce match aussi. Hein. C'est Monaco à l'extérieur. On a même un peu plus d'une semaine. Oh là, là c'était chaud. Oh là là, ce but euh, égalisateur à la toute fin. Là, il nous met tellement bien. Après, ça peut permettre aux autres équipes de revenir un peu sur nous, ouais, parce que du coup, euh, ils peuvent reprendre deux points sur, euh, sur nous deux. Hein. Et bien, Lance, euh, Lance perd cette opportunité. Après, ils étaient déjà très loin. C'est Nantes, du coup, qui peut revenir à deux points du Paris Saint-Germain, qui peut se rapprocher en cas de victoire. Les Nantais vont voir s'ils vont en profiter. En tout cas, let's go, on n'a pas perdu. Et du coup, on enchaîne une série, je crois, quand même de. Ça fait longtemps qu'on n'a plus perdu là, non Depuis, euh, depuis l'OM. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 matchs sans défaite, toute compétition confondues. J'espère que ça va pouvoir euh, perdurer. Rolio César qui signe son contrat. Ouais, il est content, il a plein d'argent. Cette enflure. Il a pris son oseille. Il est heureux. Il est heureux, il est heureux, évidemment. Euh, du coup, les résultats. Les Nantais, qu'est-ce qu'ils nous font Aoussini, ah, il est encore joueur de la semaine. C'est pas bon, ça. Ça veut dire qu'il plante des buts, ça. C'est-à-dire qu'il plante des buts, ça veut dire qu'il qu 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 est casse-couille. Nantes n'en profite pas. L'OM n'en profite pas. Lille n'en profite pas. C'est Rennes. C'est Rennes qui fait la bonne. Rennes, ils font vraiment la très grosse bonne opération. Hein. Tout le monde a fait des matchs nuls. où ils ont une des seules équipes à avoir gagné. Ils prennent deux points pour, sur tout le monde. Ils hein. prennent deux points sur tout le monde. Et euh, je vois qu'ils enchaînent voilà, 10 matchs sur consécutifs à domicile sur la moindre défaite pour Rennes. Ça d'être en forme, les Ça d'être bien bien en forme. Euh, on va voir combien de temps ça va durer. La hit, euh, soit à domicile. On ne prend pas de risque. Ne va pas me gripper tout le vestiaire. Tout le euh, ouais. Ce serait un peu dommage. Un peu dommage. Il nous restera deux matchs de Ligue des Champions. C'est des matchs abordables, même s'ils sont à l'extérieur. Hein. C'est quand même des matchs bien, bien, bien abordables. Ah, et du coup, bon, Serge Matip, il a l'air de ne pas avoir un. écoute que dalle. Hein. Mais bon, il n'a pas l'air d'avoir un très gros potentiel. C'est dommage parce qu'il y a eu des stats quand même. Un peu intéressante, mais du coup euh, c'est pas ce gardien-là que je cherche. Mais on a le temps avant de trouver un autre gardien, on a le temps, on a le temps, on a le temps. Après euh, je dis ça jusqu'au jour où on va avoir une blessure de compiègne de six mois là, où il va partir à la dernière minute d'un mercato, euh, on sait pas trop comment. Et là on sera vite, euh, sera vite un petit peu déboussolé de tout ça. Ouais. Allez, 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 je le veux ce match contre Monaco. Je le veux ce match contre les Monégasques euh, et je veux le. Ah, pas bah, le gagner. Hein. On n'a pas gagné un match aujourd'hui encore, hein, vu qu'on a joué le Real, match nul, Paris, match nul. On aimerait gagner un match aujourd'hui quand même. Et Paris, du coup, ils jouent leur, leur match de Ligue des Champions maintenant. Pourquoi on ne l'a pas mis là, notre match de Ligue des Champions, hein, comme les autres Pourquoi nous, on nous l'a mis ici, ce, ce match-là, pour nous mettre bien dans la merde C'est pas très gentil. Hein. Pas très gentil, pas très gentil. Ok, allez, on continue nous. On avance gentiment et on voit ce qui se passe contre les, les monégasques. Jérémy Jouve, euh, infection virale. Vous, vous allez vous calmer là C'est ce que vous êtes tous malades là C'est toujours cette semaine là, ouais, les, 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 le début décembre, mi-décembre, c'est toujours à ce moment là qu'on a les, euh, les fameuses petites maladies, euh, les petites grippes, chiashi. Chihachi, ça continue de, de, de bien monter. Là, il commence à avoir des stats Chihachi, les gars. Ça commence à être pas légal. Là. Il commence à être sur de la non-légalité, là. Ça commence à être du, du, du très, très sale. Auxerre euh, contre l'OM pour débuter cette journée de Ligue 1. Dissabato qui me fait encore des entraînements exceptionnels. J'adore. Badawi, ça progresse très fort aussi. Euh, et Nelson, ouais. Bah, encore une fois, hop, je te dis la même chose. Hein. Je vais donc, chercher à vous vendre. Je ne veux pas quitter le club. Voilà, je suis prêt à attendre. Parfait. Et eh ben, attends, 0-0 entre l'OM et Auxerre. Mauvais résultat, ça, pour, euh, pour, euh, pour l'OM, pour terminer d'ailleurs leur année. C'est pas terrible. C'est pas terrible, c'est pas terrible. Rosa affiche des progrès satisfaisants. C'est bien mon Rosa. C'est bien. On continue comme ça. C'est très bien. Et Jacob, il veut un nouveau contrat. <laughs> Jacob, il va demander beaucoup d'argent, les gars. Regardez-moi le petit Jacob qui va demander beaucoup d'argent, là. Euh, combien tu vas demander On hmm, va demander 500 000, le bâtard. Il va demander 500 000. Euh, joueur important, tenter de remporter la Ligue des Champions. Oui, on, on tente chaque année. Hein. Et il veut 530. Est-ce qu'on peut négocier à 498 535, 498 535, 498 Allez, 535. Allez. 535 000 ah, les salaires qui commencent à péter. Après, bon, les gars, j'ai encore 6 millions de budget restant. Donc, bon. J'ai 6 millions de budget restant. Euh, je peux en avoir plus. J'ai 227 millions de budget transfert. On est bien. Hein. On est bien niveau thunes. On peut les donner. Hein. On a largement les moyens. Mais bon, tant qu'on peut économiser, on, on, on aime bien le faire aussi. Une passe D pour ceci. Je crois que c'est sa première passe D. Je crois que c'est sa, sa toute première passe D, le frérot. Et Paris qui a gagné. Hein. Paris qui a gagné et qui reprend provisoirement. La tête de la Ligue 1, donc qui nous met la pression, hein, et les petits parisiens. Ousni, il a encore mis deux buts. Non mais c'est quoi ce mec il, il est en train de faire quoi comme saison, ce, 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 ce fou là Du coup, il a 16 buts en 16 matchs. charrossa fait une saison de fou, et le gars il fait encore mieux. Il fait encore mieux, le frérot euh, Ousni, avec des stats vraiment euh, ok, hein, pas mauvaises, mais pas fou non plus. Hein. Pas fou non plus, tu me diras, Rossa c'est peut-être un peu la même chose. Peut-être sur à peu près les mêmes stats. Euh, du coup, 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 euh, mon petit Parlikov qui revient. Rosa Parlikov, Al Salem, Masri, Badawi, Shiashi, oscar Martinez, Jacob, Paco Iniesta, bah tout le monde est là. Hein. Euh, oui, juste on a des joueurs blessés, donc on va monter euh, Di Sabato déjà, oui. Et Basak, Basak vraiment en fait. Ok, et ben bah, on y va les gars. On y va, on espère un gros match de, de notre équipe. On veut une victoire contre Monaco pour terminer en beauté cet épisode et euh, la première moitié de saison. Euh, et surtout pour rester premier de Ligue 1. Hein. Rester premier de Ligue 1 avec un petit point d'avance. Ce serait pas mal. On avoue que ce serait quand même plutôt intéressant. Intéressant, intéressant. Euh, allez. Allez les gars. Hein. On veut le gros match encore. J'ai l'impression qu'on finit l'épisode à chaque fois avec un match à l'extérieur contre une équipe. Euh, peut nous poser des problèmes en plus monaco ils sont 12e ils ont 17 points c'est pas le grand monaco là on est loin du grand monaco hein. allez martinez avec euh, avec y'a euh, qui a perdu le ballon comme un sgeg là j'aime pas trop ça mais jacob va le récupérer niesta Iniesta avec jacob pour martinez ouais jacob allez mon petit jacob vous... Faut... Jouer un peu vers l'avant, les gars, là. Je, je trouve qu'on dort un petit peu. Ah, chi, ha, chi. Ouais, non, mais je le sentais, je le sentais. Je le sentais, cette connerie. On va quand même récupérer, heureusement. Masri, Al-Salem. Ah, il est en jeu Non, mais il est en jeu de fou. Non, mais il est hors-jeu de fou. Pourquoi tu lui donnes Al-Salem Ça se voit qu'il est hors-jeu de zinzin. Oui, il est parti aussi en couille. Rosa. il est parti trop tôt. Il s'est jamais arrêté. Euh, quand même. Quand même, quand même, les gars, là. Vous rendez compte qu'il y a, a petit problème. Emasri, non, c'est récupéré par les Monégasques. Euh, je crois que lui, il est pas en jeu. Il est hors jeu. Bon, hein. il est hors, ouais, hors jeu, ça me va. Ça me va, ça me va, ça me va. Allez, par contre. Euh... Allez les gars. Allez les gars, s'il vous plaît. Et par là, tu me trouves, tu me trouves une passe de fou. Ouais, c'est comme c'était écrit. Pas de chance, pas de chance, c'est un poteau. Pas de chance, pas de chance, pas de chance, les gars. Ah, dommage, dommage, hein, pas de réussite, pas de chance, euh, ça veut pas. Ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas. Ça sent le match euh, un peu pourri, ça. Ça sent le match un petit peu pourri, mais il euh, va falloir aller chercher la victoire, les gars. Hein. Ouais, on les encourage, et je vais passer en offensif. Allez, mes petits gars ah ouais, non plus, il, pour une fois, il fait des passes clés et tout là. Et vous lui, vous lui donnez pas les passes D là. Qu'est-ce que c'est que cette merde On peut avoir une occasion, un truc là, les gars. C'est déjà la soixantième, il se passe rien. Oh le match de merde. Oh, on va pas voir, on va pas voir le terrain en deuxième mi-temps. Ah bah, on va le voir pour Monaco. Ah bah, ça fait plaisir. Ah bah, génial. Hein. On est content là. On est content, on est content, on est content. Si Marc, s'est terminé, on gagnera pas ce match. Hein, je vous le dis. Ok, Compani qui récupère. Allez, relance à la main rapidement là, sur, sur un de tes congénères. Ok, j'ai peur. Qu'il joue au pied, ça me fait toujours peur. Parce que quand il commence à ne pas écouter les, les consignes, c'est jamais très bon signe. Allez, chi, ha, chi. Oh non, Shihachi. Ah bah je suis déçu là. On va me récupérer ce ballon. Allez ah, Pablo Escobar là, il veut quoi Aïe 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 aïe, on n'arrivera pas avoir à avoir l'occasion. Elle est pour eux. Et ils mettent un vieux but de merde. Ça rend fou Ça rend fou Ça rend fou Ils n'ont pas de d'occasion, ils n'ont rien encore une fois. C'est leur premier tir cadré On n'en peut plus les gars, on n'en peut plus de ce genre de choses. Et ça repart direct. Oui bah allez, il n'y a plus de défense, il n'y a plus rien. Ah ouais bah là. On termine de, de la pire des manières. Je sais pas comment ils mettent pas un deuxième but ici, mais je prends... Moi, je vais en très offensif déjà, je vous le dis. Hein. On va mettre des changements aussi euh, avec l'entrée de Maximovic, avec l'entrée de Julio César. Pour mettre un petit peu de 109. Et Matteo, Fabri, tu vas rentrer aussi. Putain, fais chier les gars. À ah, cette défaite, elle nous mettrait mal. On peut perdre la tête de la Ligue 1, là, vraiment. Encore une fois, extérieur, encore une fois, un 0 contre une équipe de merde qui n'a eu aucune occasion. Ah, bah je crois que c'est ce qui va se passer. Hein. Malheureusement, je crains que c'est ce qui va se passer. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait mes 5 changements. Putain, je suis dévasté, les gars. Allez, est-ce qu'on peut rechercher le nul En toute fin de match, de nouveau. Badawi, Maximovic, Fabri. Non. Non, 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 non. La frappe n'est pas cadrée. Et cette fois, ce ne sera pas comme contre le Paris Saint-Germain. Ah là là, les gars, c'est fou quand même qu'à l'extérieur, on soit si nul. Hein, vraiment, on n'en peut plus. Hein. Ouais, je vous mets une petite bouteille d'eau dans la gueule, les gars. Je vous mets une petite bouteille d'eau dans la gueule parce que, du coup, voilà. Alors qu'ils avaient fait. Ah, ça me rentre, ça me tend. À finir comme ça, ça m'énerve. Voilà, je vous le dis. Ça m'énerve, ça m'énerve. Euh... Ouais. Ça m'énerve fortement, là, de, de, de rater ce genre de choses. Euh... Que là, maintenant, on leur donne deux points d'avance. Hein. Ils en ont pas besoin. Hein. Ils en ont clairement pas besoin. Mais en tout cas, on va se laisser ici pour cet épisode, les gars. On va se laisser ici et, euh... et du coup Nantes n'est plus qu'à deux points. Hein. Nantes n'est plus qu'à deux points. Avec 51, c'est quand même fou. Hein. Avec 51, et... avec un Golavirage à... à plus 51. Euh... Avec 61 buts, hein. 30 buts de plus que, que le Paris Saint-Germain. On arrive quand même à être deuxième. Parce que 3 bah, défaites, 3 hein. défaites. 1-0 en plus sur les 3 défaites. Les deux nuls. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est pas grave, les gars. On reviendra plus fort en deuxième partie de saison, je l'espère. Et, euh, et ben on va reprendre notre rôle, comme d'habitude. Hein. Comme d'habitude, les gars, on est, on est chasseurs, on cherche le PSG. Euh, on verra si en deuxième partie de saison, on arrivera à leur passer devant et regagner un titre. Je l'espère, en tout cas. Nous, on se laisse ici, on se retrouve demain pour la suite et le début de la deuxième partie de saison. En attendant, moi, je vous fais des bisous. Et je vous dis bye, les gens.